pour vous montrer que je suis moi aussi votre père. Que ma consolation puisse aller droit dans votre cœur. Nous t'aimons, je t'aime. Je te soutiendrai, je serai toujours à tes côtés. Et je crois que Mekeli, déjà parce qu'il faut que je parte à Lodja, on mettra ce que tu chantes, ce que tu aimes dans mon église de 30 000 personnes. Et je parlerai en bien. Plus que ce que je viens de dire aujourd'hui à mon fils, pour que tout le monde puisse savoir, et la famille, et mon église, et le monde entier, parce que ça va entrer dans les réseaux sociaux, que tu es mon fils. Tu as perdu un père, alors tu as gagné encore un autre père, le pasteur Barouti. Et nous sommes là pour vous consoler et que Dieu puisse vous consoler mieux que moi. Mieux que moi. Tu es un grand prédicateur. Un très grand. Tu es un grand chanteur. Un très grand. Continue l'œuvre de l'apôtre Bi. Et continue à aller de l'avant. Ce que Dieu a placé dans ton cœur, fais cela. Ne recule pas. Avance, continue à avancer pour que cette œuvre que papa avait commencée, que tu as dans les mains, puisse prospérer, aller de l'avant. Donc, je suis simplement un consolateur, je suis venu consoler, mais le vrai consolateur, c'est Jésus-Christ. Et que ma présence soit une grande consolation pour vous. Je t'aime. C'est merci. Tout ce que je peux dire. Merci, papa. Merci, papa. Merci. Je vous remercie. Ça, c'est très important. Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque tout le monde m'insultait, lorsque tout le monde tapait sur moi, papa Barouti, dans ses cultes, il chantait, il dansait mes chansons. C'était sa manière à lui de dire, laissez cet enfant, c'est mon enfant. Il m'a toujours protégé. Il a toujours prié pour moi. Il m'a toujours compris. Il a toujours été là pour moi. Voir un homme comme lui, qui peut avoir une église de plus de 30 000 personnes, voir ce qu'il a construit à Rigini, je passais là et je me disais, est-ce qu'un jour on fera quelque chose comme ça? Et aujourd'hui, le voir s'est déplacé juste pour moi. D'abord, il m'a appelé à plusieurs reprises et il s'est déplacé aujourd'hui. Ça me touche. Je lui ai dit, pour moi, c'est pas...
c'est pas seulement une consolation, mais c'est un rappel. Il est en train de me rappeler qu'il compte sur moi et que je n'ai pas le droit de décevoir l'Église. Je n'ai pas surtout le droit de décevoir mon Père qu'il est. Et je lui ai aussi promis de me battre et je lui ai demandé de m'accompagner dans sa sagesse, dans son encadrement et dans ses prières pour que je puisse réussir cette mission. Nos pères ont travaillé et c'est à nous maintenant de travailler. Et parfois nous pleurons parce que nous voyons où les pères ont placé la barre, on réalise que c'est trop haut et on ne sait pas si on va y arriver nous autres. Mais que le Seigneur nous aide. Papa, merci pour ton amour. Je sais que tu m'aimes, personne ne me dira le contraire, je le sais. Merci et je vais me battre, papa, pour que tu ne sois pas déçu. Oui, oui. Et dans mes prières, c'est présent. Je continuerai à prier pour toi. Merci, papa. Que Dieu te soutienne. Amen. Amen. Que je sois vraiment une petite consolation pour toi. Une grande consolation. Vous êtes, papa, tu es une grande consolation et surtout une interpellation pour moi. C'est vraiment important. C'est, vous te recevoir ici, c'est un rappel de beaucoup de choses. Bon, ceux qui sont de mon église, sachez que mercredi, on va chanter, on va parler de Papa Mbi et l'apôtre. Et on chantera ces cantiques, ces chansons. Et ça va, vous allez suivre ça dans notre télévision, oui. Et partout ailleurs. Okay. Parce que on nous suit dans le monde entier. Oui. Merci. On va accompagner Papa. Merci beaucoup en tout cas.